Vous recherchez un enrouleur de tuyaux d'arrosage mural ou aussi appelé un dévidoir automatique, mais vous ne savez pas lequel choisir, eh bien vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc à quoi ça va servir principalement un dévidoir de tuyaux mural? Par rapport à un simple support mural, ça va permettre donc qui va lui permettre de simplement ranger le tuyau d'arrosage. Avec un dévidoir de tuyaux, on va pouvoir donc distribuer en permanence la longueur de tuyau souhaitée, permettre donc les dépassements qui sont plus aisés durant l'arrosage dans votre jardin, et ensuite de stocker vraiment proprement le ou les tuyaux pour pas avoir ce tuyau qui jonche le sol toute la journée. Au niveau visuel et pratique, c'est quand même un point vraiment positif. Donc si aujourd'hui vous ne savez pas lequel choisir, ça tombe bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le top 3 des meilleurs sur le marché, donc les mieux notés par ordre de prix croissant, pour vous faire gagner du temps lors de votre choix, tout simplement. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier qui sera le Hochhoff. Et sachez que s'il y en a un qui vous intéresse, un des produits présentés, vous retrouverez tous les liens juste en dessous dans la description de cette vidéo pour voir plus d'informations. Donc on commence avec le Hochhoff enrouleur tuyau d'arrosage à 20 plus 2 mètres avec deux pistolets à eau. Donc on va avoir évidemment du matériel de qualité avec un corps fabriqué en polypropylène résistant à la chaleur et à l'usure. Donc qu'il fasse pluvieux ou ensoleillé, ça ne va pas abîmer le produit. On va avoir un produit qui va avoir la fonction verrouillage à toute longueur et rétraction sécuritaire. Deux pistolets à eau et multi-choix, donc c'est un dévidoir mural qui sera équipé de ces deux pistolets à eau, donc qui offre de nombreux modes de jet tels que la forme de colonne, de cône, plat, intensive, pour vraiment s'adapter à vos besoins. Il sera pivotant à 180 degrés, donc il est capable d'être installé sur un mur ou un plafond avec une fixation murale robuste. Et ensuite, il peut pivoter jusqu'à 180 degrés, donc vous pourrez opérer sur plusieurs angles, même dans les coins où c'est vraiment difficile à atteindre. On aura donc des dimensions de 52 x 37,5 x 20 cm pour un poids de 7 kg sans eau. Plein d'eau, il fera environ 8,7 kg. Avec les diamètres du tuyau, car évidemment c'est fourni de 11 mm, 15 mm à l'extérieur, avec 2 mm donc d'épaisseur. Donc vous aurez dans le kit l'enrouleur du tuyau d'arrosage, deux pistolets à eau, un kit des accessoires de fixation murale, donc ça vous n'aurez pas à lâcher en plus, c'est fourni, les chevilles, etc. Un mode d'emploi pour un prix plutôt abordable et des bonnes évaluations à 4,3 étoiles sur 5, donc honnêtement, c'est pas le mieux noté sur le marché, mais il a l'avantage d'être assez peu cher, donc ça reste un rétracteur, un enrouleur tuyau d'arrosage avec rétractation automatique assez intéressant. Si vous voulez voir plus d'informations sur celui-ci, ce sera donc le premier lien dans la description. Le deuxième que je vous présente, c'est le Amazon Basics enrouleur automatique à fixation murale avec tuyau de 35 mètres, donc une grosse longueur à ce niveau. On va être bien mieux au niveau évaluation client, 4,5 étoiles sur 5 sur plus de 1700, c'est excellent donc à ce niveau-là. Le prix sera plus élevé, mais ça dépend de quelle longueur vous prenez. Là, je vous présente le 35 mètres. Évidemment, si vous allez vers le 25 mètres, ce sera beaucoup moins cher. Et si vous allez vers le 15 mètres, ce sera encore moins cher. Donc, il n'est pas si cher que ça au final. C'est un enrouleur automatique à fixation murale avec un tuyau donc de 35 mètres pour ce modèle. Idéal pour les jardins moyens ou les terrasses. Un design compact à fixation murale, donc plus besoin de plier le tuyau ni de le dérouler manuellement en vous salissant les mains à chaque fois. On a un pivot à 180 degrés qui empêche le tuyau de se tordre lors de l'arrosage. C'est facile d'utilisation, sans nœud, facile d'accès, avec un design anti-goutte qui empêche l'eau de se déverser. C'est résistant aux intempéries pour une performance durable tout au long de l'année, que ce soit en été ou en hiver. Ça inclut un support mural, un tuyau donc de longueur en fonction de celui que vous prendrez, à fixation murale, un tuyau de raccordement de 2 mètres de long, un embout vaporisateur réglable et tous les accessoires nécessaires à l'installation. Donc choix vraiment intéressant. Pour avoir plus d'infos, le deuxième lien en dessous. Et finalement, le troisième et dernier, qui est le mieux loté sur le marché et aussi un des plus achetés. Donc évidemment, je vous le recommande chaudement. C'est le Gardena Roll-Up enrouleur de tuyaux murales de 30 mètres, dévidoir automatique. On retrouve 4,7 étoiles sur 5 sur plus de 1587 évaluations. Plusieurs déclinaisons de taille de tuyaux, 15 mètres, 20 mètres, 25, 30.
35, donc vous pourrez vraiment choisir ce qui est adapté à vos besoins. C'est un enrouleur automatique qui peut se fixer sur le mur, donc ce qui permet de garder votre tuyau d'arrosage à portée de main. On va avoir le roll control qui assure un enroulement fiable et sûr, quelle que soit la longueur de déroulement, avec le guide tuyau intégré qui permet d'éviter les torsions lors de l'enroulement du tuyau d'arrosage. Rotation à 180 degrés, encore une fois. Technologie d'enroulement automatique, donc après utilisation, vous pouvez simplement replier le dévidoir sur le mur pour gagner de la place. On va avoir une protection contre tout ce qui est gel, etc. Donc évidemment, ce modèle-ci vaut le coup. Les évaluations clients, c'est la donnée la plus fiable sur laquelle se pencher. Donc on voit 4,7 étoiles sur plus de 1500. Si vous avez le budget, moi je vous conseille vraiment d'aller vers celui-ci. Il n'est pas non plus beaucoup plus cher que les autres. Maintenant, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. S'il y en a un qui vous intéresse, que vous souhaitez voir plus d'informations, passez par les liens juste en dessous dans la description. Au moins, vous pourrez voir par vous-même les évaluations clients, le prix, plus d'images, plus de détails pour finaliser votre choix à ce niveau. Moi, j'espère que ce comparatif aura pu vous faire gagner un petit peu de temps. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée. Je vous souhaite de bien vous occuper de votre jardin. À très vite et à la prochaine dans d'autres vidéos. Ciao.